temps a passé aussi hein, pour le CNRS qui a 80 ans, qui ne les fait pas, mais qui les a quand même. Alors moi, je vais vous parler de mémoire de façon assez concrète, finalement, je pense, en vous présentant des résultats de recherche sans passer par tous les moyens méthodologiques qui nous ont permis d'aboutir à ces résultats. Par contre, si vous voulez ensuite avoir des détails sur comment on parvient à ces connaissances, je pourrais parler de la méthodologie et comment on s'y prend plus concrètement pour avoir ces résultats. Alors, je vais parler de la mémoire du bébé jusque dans la vieillesse. Donc, en 20 minutes, hein, ça va être de la synthèse. Mais je vais essayer de vous montrer en fait comment la mémoire évolue et puis ensuite, faut bien l'admettre, régresse un petit peu au cours du vieillissement. Mais surtout, je vais vous parler des facteurs qui sous-tendent l'évolution de la mémoire chez les enfants et qu'est-ce qui peut permettre aux personnes plus âgées de maintenir des performances honnêtes en mémoire. Ah, bon, excusez-moi. C'est bon. On va commencer par des petits exercices. On va voir que la mémoire est très variée parce qu'on va voir ce soir et demain beaucoup de domaines beaucoup de domaines s'intéressent à la mémoire. Mais même en psychologie, parce que moi je suis en psychologie, vous allez voir que la mémoire est déjà multiple. Alors je vais vous donner des petits exemples de petites tâches hein, très simples où on utilise sa mémoire. Par exemple, pour faire ça. Si vous faites ça mentalement, c'est très simple, hein, vous avez déjà trouvé le résultat depuis longtemps, on utilise un type de mémoire voilà, qui s'appelle la mémoire de travail, qui nous permet de manipuler des informations pour parvenir à un but particulier. Les informations dans ce système de mémoire ne restent que quelques secondes, très peu de secondes en fait. Ensuite, quand on a traité l'information, donc ici trouver le résultat, on va oublier ces informations. Donc c'est une mémoire vraiment très ponctuelle. La mémoire de travail, elle nous sert aussi pour traiter des aspects visuo-spatiaux. Par exemple, regardez cette image, regardez celle-ci, essayez de dire si ce sont les mêmes ou si elles sont différentes. Pour répondre à la question, il faut se souvenir de la première, la faire tourner mentalement, on appelle ça de la rotation mentale, jusqu'à ce qu'elle soit présente sous le même angle que celle-ci, et on les compare, et on va pouvoir dire si ce sont les mêmes ou si elles sont différentes. En l'occurrence, ce sont les mêmes. Ça, c'est de la mémoire de travail, toujours. Si on a perdu ses clés et qu'on les recherche, pour savoir où sont ces clés, c'est encore de la mémoire. Cette fois-ci, c'est de la mémoire épisodique. L'information intégrée à un contexte. Où sont mes clés ? Voilà, on recherche quelque chose dans un contexte particulier. Si on se demande quel est le nom de cette petite bête, ça c'est de la mémoire sémantique, ça correspond à nos connaissances. Voilà, un suricate. Si on essaie de se souvenir du titre de ce film dont on voit ici l'affiche, on utilisera toujours sa mémoire épisodique, c'est-à-dire on connaît ce film, sans doute, très probablement vous l'avez vu, vous pouvez éventuellement rechercher le titre, donc deux informations associées, c'est de la mémoire épisodique. Si vous vous demandez, si vous recherchez la capitale de la Slovaquie, connaissance, la mémoire sémantique. Ce qui différencie la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est que la mémoire épisodique est associée à un contexte. Donc on doit avoir une information et son contexte, savoir ce que j'ai fait hier soir, voilà par exemple. Tandis que pour la mémoire sémantique, on a des connaissances mais qui sont dissociées du contexte. Voilà. Ce suricate, peut-être vous avez retrouvé le nom, peut-être vous ne vous souvenez plus du moment où vous avez appris que c'était ce qu'était un suricate. Donc on a des connaissances dissociées de leur contexte d'acquisition. La reconnaissance des visages, c'est aussi de la mémoire épisodique, on va associer un visage et un nom. Peut-être ici il y a deux personnes qui peuvent vous être familières, une troisième qui normalement ne l'est pas, c'est pas quelqu'un de célèbre. Voilà, peut-être vous avez retrouvé le nom de ces personnes. Si vous devez vous souvenir de quand est votre rendez-vous chez le dentiste, on est toujours en mémoire épisodique, contexte et information. Quand est-ce que j'ai rendez-vous chez le dentiste ? Donc, dans cette,
Dans cette conférence, je vais surtout vous parler de mémoire épisodique. La mémoire épisodique, elle est très utile parce qu'elle nous sert aussi à apprendre des nouvelles choses. Si vous voulez apprendre, mémoriser la liste de courses, bah c'est toujours dans la mémoire épisodique. Au moment où vous allez faire des courses, vous allez essayer de savoir ce que vous vouliez acheter à un moment précis, ce dont vous avez besoin, c'est de la mémoire épisodique. Notre type de mémoire est très différent de ce que je viens de citer, c'est la mémoire procédurale et implicite. Procédurale, ça veut dire que on va acquérir des procédures à manipuler quelque chose. Alors ici, c'est un exemple de procédure motrice, mais on a aussi des procédures plus cognitives, comme faire une opération mentale, apprendre à faire une opération mentale. La mémoire procédurale a ça de particulier, c'est que chez les personnes qu'on dit amnésiques, cette mémoire ne disparaît pas. Il y a certaines formes d'amnésie qui atteignent la mémoire procédurale, mais globalement, quelqu'un qui sait faire du vélo, à un moment de sa vie, saura toujours faire du vélo, même si la personne devient amnésique pour d'autres formes de mémoire. Alors tous ces systèmes de mémoire n'évoluent pas de la même façon au cours du temps, hein, mémoire procédurale, épisodique, de travail, sémantique. En fait, là, je vous ai refait un petit graphique qui va de 0,2 ans à 80-90 ans. Il y a certaines formes de mémoire qui vont tendre à s'améliorer, comme la mémoire sémantique, les connaissances. Là, c'est hors pathologie, bien sûr. La mémoire épisodique, celle qui associe contexte et information, va augmenter, puis diminuer dans le vieillissement. La même chose pour la mémoire de travail, celle qui nous sert à manipuler des informations dans le temps. Et puis, il y a une mémoire qui reste stable, hein, c'est la mémoire procédurale. Ou qu'on appelle aussi, c'est un petit peu différent, mais ici on va dire que c'est la même chose, la mémoire implicite non consciente. C'est-à-dire que j'ai donné l'exemple du vélo tout à l'heure, quand vous faites du vélo, vous ne vous dites pas là je dois appuyer avec la jambe droite, la jambe gauche, vous faites ça machinalement. Même quand vous nagez, vous faites vos lacets, voilà, la récupération est automatique, non consciente. Donc cette mémoire-là ne se modifie pas au cours du temps. Alors, je vais commencer par vous donner un tout petit exemple de la mémoire chez le bébé. Parce qu'on peut se demander, est-ce que les bébés ont une mémoire? On connaît tous l'amnésie infantile, par exemple. Alors, est-ce que les bébés ont une mémoire? Et comment on peut mesurer la mémoire quand il n'y a pas de langage, hein, parce que souvent, on mesure la mémoire avec du langage, on demande de se rappeler quelque chose. Les bébés ne peuvent pas parler. En fait, on se base sur les compétences des bébés. Les bébés, par exemple, ils aiment regarder des choses qui sont mobiles, qui sont colorées. Et quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils vont le regarder longtemps. Et au bout d'un moment, ils vont arrêter de le regarder parce que ils le connaissent. Voilà, ils commencent à s'ennuyer, donc ils arrêtent de regarder ces nouveaux objets. Donc on va utiliser pour mesurer la mémoire des bébés, le temps de fixation. Alors au début, quand on leur montre un objet, hein, ce qu'on appelle un stimulus, eh bien, ils vont le regarder longtemps, et puis au fil des sessions, on va lui montrer, lui remontrer, eh bien, il va le regarder de moins en moins longtemps. Et cette diminution du temps de fixation montre en fait qu'il a mémorisé l'objet. Il le connaît, il arrête de le regarder, il n'a plus besoin de le regarder. Et généralement, dans un deuxième temps, on va comparer le temps de fixation d'éléments nouveaux à des éléments anciens qui ont déjà été vus. Et les éléments anciens vont être regardés très peu de temps, c'est ce qu'on voit ici, ce qui a été déjà vu, ils ne le regardent plus, ils le connaissent. Par contre, ce qui est nouveau, ils vont se mettre à le regarder beaucoup plus longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction à la nouveauté. Et ces indicateurs, hein, montre qu'il y a de la mémoire. Si on regarde longtemps, quand on apprend, ben après on sait, donc on n'a plus besoin de regarder. Puis si on présente quelque chose de nouveau, eh bien il va à nouveau se mettre à regarder longtemps. Donc voilà comment on peut, par exemple, hein, mesurer la mémoire chez les bébés. Et ces effets apparaissent dès quelques semaines, voire dès quelques jours. Hein. Donc la mémoire des bébés est bien présente, hein, très, très rapidement, mais c'est pas exactement la même mémoire que la mémoire telle qu'elle est présente, quoi, chez les adultes ou même les enfants en plus bas âge. Donc il n'y a pas vraiment d'amnésie infantile au sens strict. Et en fait, pour sonder la mémoire des enfants,
quand ils ne parlent pas encore, il faut utiliser des procédures particulières. Donc cette mémoire va se mettre en place rapidement, puis avec l'apparition du langage, on va voir apparaître les premières prémices de la mémoire épisodique, donc cette mémoire qui nous permet de rappeler une information qui a été acquise dans un contexte particulier. Mais c'est pas quelque chose de simple. Si vous avez interrogé des enfants, par exemple, sur ce qu'ils ont fait aujourd'hui à l'école, des petits, en maternelle, ils vont souvent avoir beaucoup de difficultés à vous répondre. Parce que le « aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ?» c'est pas facile pour eux. Et parfois, ils peuvent dire « bah voilà, j'ai joué » ou « alors on est sorti avec la maîtresse, on a fait une balade, je sais pas quoi ». Puis vous allez vous apercevoir que ça, c'était la semaine dernière, en fait, parce que le contexte n'est pas bien associé à l'information. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont sous-tendre le développement de cette mémoire. Alors, premier facteur, c'est la maturation corticale, cérébrale, qui va sous-tendre ce développement de la mémoire, et puis aussi d'autres facteurs que je vais vous exposer un peu rapidement ici. Alors, un facteur auquel on ne pense pas forcément, mais des chercheurs ont mis en évidence l'effet de cette particularité des soins parentaux dans le développement du langage et de la mémoire. C'est une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on a étudié des enfants, les mêmes, à plusieurs moments de leur vie. Cette étude, c'était entre 4 et 14 ans. Et on a regardé, en fonction des habitudes familiales, du contexte familial, comment se développait leur mémoire et leur langage. Et ce qu'on a observé, c'est que dans les familles où il y a une stimulation importante, telle que aller à la bibliothèque, faire de la musique, etc., eh bien, dans ces familles, on a un niveau de stimulation important, et plus le langage va se développer. Associé à ce langage, donc, une augmentation des connaissances. Connaissances, donc la mémoire sémantique. Et puis, autre phénomène important qui pourrait paraître inattendu, c'est que les chercheurs ont aussi regardé les liens entre l'amélioration de la mémoire et les démonstrations affectives, consolation, câlin, écoute, etc. Et ce que ces chercheurs ont montré, c'est que plus les familles étaient démonstratives d'un point de vue affectif, et plus la mémoire était développée chez les enfants. Alors ça pourrait paraître un peu pas forcément contre-intuitif, mais on ne voit pas trop le lien. Mais en fait, c'est parce que ces aspects de démonstration affective vont diminuer le stress des enfants à certains moments, et que la réduction du stress, en fait, favorise la maturation hippocampique. Et comme je vais vous le dire tout à l'heure, l'hippocampe, c'est une petite structure cérébrale très importante qui est déterminante pour la mémoire. Et si l'hippocampe se mature plus rapidement, eh bien on va aussi avoir une amélioration des performances de mémoire plus rapide chez ces enfants. Alors, une fois que la mémoire est développée, lorsqu'elle se développe correctement, il va falloir apprendre. Les enfants vont à l'école. On a quelqu'un en France qui s'appelle, vous avez très probablement entendu son nom déjà, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui s'est beaucoup intéressé à l'apprentissage chez les enfants dans différents domaines, et qui a proposé les piliers de l'apprentissage. Alors, je ne vais pas les développer ici, mais je vais en présenter juste un, parce qu'il concerne les enfants, mais il concerne aussi les adultes. C'est la façon d'apprendre qui permet un engagement actif dans l'apprentissage. Je vais vous faire un petit peu de méthodologie ici. En fait, on a comparé trois conditions expérimentales d'apprentissage où il y avait 8 répétitions pour chacune de ces conditions. Donc les informations étaient autant répétées dans toutes les conditions, 8 fois. Dans la première condition, on étudie une information. Alors ça peut être une liste de mots, par exemple, ou un poème, ou peu importe. On étudie des informations qu'on doit mémoriser. Puis, on se teste, c'est-à-dire on essaie de rappeler sans lire les informations. Donc, étude, test, etc. Donc, on a en tout 4 séries d'études-tests, donc 8 répétitions. Et puis, un rappel final. Dans une autre condition, on avait 6 études et seulement 2 tests. Et dans la dernière condition, les enfants, ici c'était les enfants, ne faisaient que répéter sans se tester, c'est-à-dire sans efforts de rappel, après avoir étudié les informations à mémoriser.
eh bien, c'est la première condition expérimentale qui permet d'avoir les meilleures performances. C'est-à-dire que quand on fait un effort de rappel, eh bien, ça va ancrer encore mieux les informations en mémoire. Donc, il est important de faire ces efforts de rappel pour essayer, pour mieux mémoriser. Et puis, une fois que ces informations sont mémorisées, eh bien, il faut consolider ces informations. Hein. On va voir ici le rôle du sommeil. Alors, très rapidement, hein, on a comparé aussi des conditions d'apprentissage où on demandait aux enfants d'apprendre des paires de mots, hein, sel, cheval, et puis ensuite on lui montre sel, il faut rappeler cheval. Alors, soit on apprend le soir, puis on dort, puis on se teste le matin au réveil. Ensuite, ben, on passe la journée et quelques heures plus tard, le soir, on se teste à nouveau. Ou alors, on apprend le matin, une période de veille, on se teste une première fois le soir, on dort et on se teste à nouveau le matin. Donc le temps qui sépare l'apprentissage du premier test et du deuxième test est toujours équivalent dans toutes les conditions, dans ces deux conditions expérimentales. Et ce qu'on observe, c'est que les enfants qui ont dormi immédiatement après l'apprentissage sont beaucoup plus performants que les enfants qui n'ont pas dormi immédiatement après l'apprentissage, et cela pour les deux tests. Donc le sommeil, ça n'est pas une légende, hein, favorise vraiment la consolidation des informations en mémoire. En fait, des études ont montré que les zones actives pendant le sommeil après un apprentissage étaient les mêmes que celles qui étaient actives pendant l'apprentissage. Donc ça fait un petit peu comme si on répétait, hein, pendant qu'on dort, comme si on répétait les informations, plus le cerveau va être actif et plus les informations vont être consolidées. Et donc le sommeil, hein, joue ce rôle pour la mémoire. Donc en conclusion de cette partie enfant, hein, on voit que le développement de la mémoire, hein, est une interaction forte en fait entre le développement du cerveau et un certain nombre de facteurs environnementaux. On va considérer ensuite que la mémoire se maintient, hein, jusqu'à un certain âge, autour de 60-65 ans, et puis la mémoire décline après un petit peu. La mémoire est moins performante quand on est plus âgé. Alors, cette modification, hein, de la mémoire provient aussi essentiellement des modifications cérébrales, hein, au cours du vieillissement. Alors, une petite information ici, le cerveau c'est un organe extrêmement complexe, mais on pourrait dire qu'il y a principalement deux structures cérébrales qui sont impliquées dans la mémoire, donc les hippocampes dans le cortex temporal, donc ici en rouge, et puis le cortex préfrontal, donc ici en vert. Donc ces deux structures cérébrales sont très importantes pour la mémoire. Les hippocampes ont un rôle direct dans la mémoire. Si on n'a plus d'hippocampe, on n'a plus de mémoire. Ces hippocampes subissent un faible effet du vieillissement. Donc le cerveau vieillit, hein, comme tout le corps, de toute façon, voilà. Mais l'effet du vieillissement n'est pas très prononcé sur les hippocampes. Et au niveau du cortex préfrontal, donc le cortex préfrontal n'est pas directement impliqué dans la mémoire, mais il est impliqué dans les stratégies de mémoire. Disons qu'il booste un peu la mémoire, ce cortex préfrontal, parce qu'il nous permet d'utiliser les stratégies de mémoire les plus appropriées pour avoir donc une mémoire plus efficace. Et c'est en revanche cette partie du cerveau qui vieillit le plus. Donc si on a des problèmes de mémoire quand on vieillit, c'est plus à cause du vieillissement du cortex préfrontal plutôt que de celui des hippocampes. Alors, quelles sont donc les répercussions, hein, sur la mémoire des modifications cérébrales dues au vieillissement, et est-ce que on peut distinguer le vieillissement normal du vieillissement pathologique observé principalement dans la mémoire, dans la maladie d'Alzheimer. Alors je ne vais pas vous expliquer vraiment ça, mais je vais juste faire un petit exercice de mémoire. Vous allez regarder cette petite liste de mots. Je ne vais pas laisser longtemps la liste sous vos yeux parce que vous êtes quand même très jeune et donc normalement vous n'avez pas vraiment de problème de mémoire en moyenne. Donc voilà, vous pouvez la lire rapidement.
et essayez de vous la rappeler mentalement. Un petit peu. Et comptez combien de mots vous, mentalement, combien vous avez retrouvé de mots. Il y en avait 12. Est-ce que quelqu'un a retrouvé les 12? Non. Alors essayez de voir si cela vous aide. Le nom de l'arbre, tilleul. Le nom de l'outil, le nom de la partie du corps, jambe, meuble, armoire, jeu, vêtements, bijoux, véhicule. Métier, animal, aliment, fleur, jonquille. Est-ce que ces petits indices de récupération vous ont aidé globalement? Oui. Donc ça veut dire que probablement, peut-être, vous avez un fonctionnement mnésique normal, voilà, parce que c'est normal de pas tous, c'est normal de pas se souvenir de tout, mais quand on donne des indices, eh bien, on va récupérer d'autres choses en plus, ce qui montre que les informations sont bien dans votre mémoire, mais que vous n'avez pas pu les rappeler sans aide, voilà. Donc ils sont là. Donc au niveau, vos hippocampes fonctionnent bien. Peut-être vous n'avez pas fait bien attention, ou votre cortex frontal qui vous permet justement la récupération a momentanément dysfonctionné un petit peu. Toujours est-il que si je vous donne une béquille, que sont ces indices, vous arrivez à en rappeler davantage. Dans la maladie d'Alzheimer, les indices n'aident pas parce que le problème est hippocampique. Les informations ne sont pas stockées, donc on ne peut pas les récupérer. Voilà, même avec une aide, les informations ne sont plus là, donc on ne peut plus les récupérer. Donc c'est un petit peu ce qui différencie le vieillissement normal du vieillissement pathologique. Enfin, ça serait un petit peu ça, trop synthétisé, trop simplifié si je vous disais que c'était seulement ça, mais c'est un indicateur. Les tests qui sont passés aux personnes âgées qui se plaignent de leur mémoire sont des tests qui, justement, permettent de voir si les personnes bénéficient des indices de récupération. Voilà. Alors, on peut ralentir, on peut réduire les effets du vieillissement sur la mémoire, ce qu'on appelle la notion de réserve cognitive. Il y a des personnes qui conservent une très bonne mémoire dans le vieillissement et puis d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés. Alors rapidement, je vais vous présenter un petit peu ces facteurs qui permettent de ralentir ou réduire les effets du vieillissement sur la mémoire. Alors le facteur qui a été étudié en premier et qui est encore à l'heure actuelle le plus étudié, c'est l'éducation, le niveau d'éducation, le fait de faire des études. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a un effet positif du niveau d'éducation sur les performances de mémoire. Les personnes qui ont un niveau d'études plus important, généralement, conservent de bonnes capacités de mémoire pendant longtemps. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de poursuivre des études pendant longtemps. Alors est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Heureusement, oui, d'autres facteurs qui permettent de maintenir de bonnes capacités de mémoire. Alors les activités de loisirs, des études ont montré que la participation à des activités de loisirs stimulantes pouvait aider à conserver une bonne mémoire et voire diffère l'apparition des signes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Alors attention, ça n'empêche pas éventuellement d'avoir la maladie d'Alzheimer, ce sont les signes cliniques qui peuvent apparaître plus tard. C'est-à-dire que les personnes peuvent être malades sans en présenter les signes, ou en tout cas, ils en présentent les signes beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que des activités stimulantes? Ben, un peu tout, en fait. Enfin, plein de choses. Du tricot, la lecture, du bricolage, etc. Donc, tout, en fait, est une à partir du moment où on prend l'initiative de planifier une activité et de la faire, eh bien, c'est une activité stimulante qui permet donc de rester vif cognitivement, on va dire. Le réseau social. Comme je dis aux étudiants, le vrai réseau social, les vrais réseaux sociaux. Hein. Parce que maintenant, quand on parle de réseau social, on pense à Facebook ou je ne sais pas quoi. Non, le fait de voir des gens, de devoir donc se souvenir de leur nom, de ce qu'on leur a déjà raconté pour ne pas trop radoter et pas leur redire la même chose, etc. Ça, c'est quelque chose qui permet aussi de maintenir donc un bon niveau cognitif, dont un bon niveau
de mémoire. Et puis un autre facteur qui est très important, c'est la participation à des activités physiques. Alors ça aussi, c'est un facteur extrêmement important qui est beaucoup étudié. On a plusieurs personnes dans notre laboratoire qui étudient les liens entre activité physique et santé cognitive, on va dire, autant à Poitiers qu'à Tours d'ailleurs. Et par exemple, une étude a montré que si on pratique une activité physique pendant 6 mois, 50 minutes par semaine, donc ce n'est pas énorme, 50 minutes par semaine. Alors dans cette étude, il y avait, vous voyez, de la marche nordique, qui est quand même une activité assez tonique, on va dire, de la gym douce ou alors rien. Eh bien, les résultats ont montré qu'il y avait une augmentation des performances de mémoire après 6 mois de pratique de marche nordique ou de gym douce. Ça, vous savez, le même effet. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Alors pourquoi la pratique d'activité physique permet de maintenir cette santé cognitive et permet de conserver une bonne mémoire? En fait, c'est tout simplement parce que l'activité physique va avoir un effet positif sur le système cardiovasculaire dont le cerveau va bénéficier. Donc le cerveau est mieux irrigué. Et il va mieux fonctionner. Donc, comme le cerveau sous-tend la mémoire, eh bien, on comprend mieux pourquoi les activités physiques aident la mémoire. Et on observe même une augmentation de ce qu'on appelle la matière blanche au niveau frontal, matière blanche qui correspond à la myéline, à la connexion entre les neurones. Les neurones sont mieux connectés, donc les cellules nerveuses sont mieux connectées, fonctionnent mieux, et donc la mémoire fonctionne mieux aussi. Et puis enfin, un dernier point qui a été aussi surtout étudié dans le cadre de la mémoire pathologique, c'est la nutrition. Donc je pense que tout le monde connaît ici le régime méditerranéen. Donc c'est un régime, une façon de se nourrir. C'est pas un régime amaigrissant, je sais pas quoi. C'est une façon de se nourrir qui fait qu'on consomme notamment beaucoup de fruits et légumes et choses comme ça. En fait, on consomme beaucoup d'antioxydants, donc les cellules se portent mieux, sont moins oxydées. Beaucoup d'acides gras essentiels, donc qui est bon aussi pour la qualité, la santé des cellules, si on veut. Et l'ensemble améliore aussi la santé cardiovasculaire et donc a des répercussions sur le fonctionnement cérébral et donc sur la mémoire. Voilà. En conclusion, donc, on va dire que des mécanismes un petit peu différents sous-tendent l'augmentation de la mémoire au cours de l'enfance, enfin l'évolution de la mémoire au cours de l'enfance, le maintien puis la diminution des performances en mémoire observées souvent au cours du vieillissement. Mais en fait, ce qu'on a vu là, même si c'était un petit peu rapide, c'est l'interaction entre les modifications cérébrales au cours du temps et l'environnement qui est primordial pour la santé mnésique. Donc le cerveau se modifie au cours du temps, mais on peut aussi agir sur d'autres facteurs qui vont influencer les performances en mémoire, donc au cours de l'enfance et au cours du vieillissement. Et finalement, il y a beaucoup de points communs. Et par exemple, les interactions sociales, la façon de se nourrir, le repos, le sommeil, etc., sont des facteurs qui vont sous-tendre le fonctionnement de la mémoire à tout âge. Et je vous remercie.